Star Wars. Off. Ah. Ah, ça désactive le truc. D'accord. Level spawn. Attends. On. Off. Adjust. Ça doit être ça. Non, 30. Normal, normal. Star spawn. Off. Closes. Ça, on est d'accord. No save. Return. Et c'est reparti. Allez, j'ai envie de démarrer une seed là. Ah, je préfère ça. Ah putain, on va dire le Luigi de... comment ? Mario Stars. Mario 2. Ah putain, je préfère ça. Allez. Le Toad il est là, what the fuck. Hazy Maze Cave. Ah, ah c'est un niveau que j'aime bien ça. Swing Beast in the Cavern. D'accord. Ah, déjà ça me plaît un peu plus déjà. Alors que sans randomise les ennemis ça me dérange pas. Attends, je vais me suicider. Je fais exprès. Ok, d'accord. Genre spawn, ok. D'accord. Bon, bah je pense que là on est parti. Et j'aime bien sa couleur à Mario. Dommage qu'on peut pas choisir le panneau. La panneau, hein, la panneau, hein. Y a quoi comme étoile que j'aime bien faire ici? Oh. Ah, j'ai pas le green switch. Tiens, on va aller dans le labyrinthe toxique au pire. Oh, ouf. Je le fais bien ou pas? Ah oui, les sniffit, ouais, ils sont au début de niveau. D'accord. Une pièce rouge ici, putain. Je vais crever, je vais crever. Oh là là. Mon pauvre, putain, il s'est étouffé, mon pauvre. Le gaz est vert sur 2064. Non, non, il a toujours été plus ou moins jaune comme ça. Hein. Sur DS, il est violet. Bon, on va aller là-bas. Il y a une étoile facile à choper en plus. Quoi? Une étoile là, what the fuck? What? Ah, j'ai dû mettre non-stop, un truc comme ça. Normalement une étoile ici, c'était celle-là. Mais c'est pour ça que je pose la question, je connais que la 64DS. J'ai essayé 64 classique, la trilogie Switch, mais j'ai pas aimé. Ah t'as pas aimé, d'accord. Oh ça rame.
J'ai l'impression que quand c'est du randomizer sur Everdrive, ça rame. What the fuck? Ok. Donc ça, c'était la cinquième étoile. Et si j'ai l'étoile pas de numéro, c'était la 100 pièces, non? Ça devait être ça. Ça c'était la numéro 1. Ah c'est pas plus mal hein, que... Plutôt que je retourne... Attends le cœur il est là. Ah ouais c'est... Les étapes d'accord j'ai compris les numéros dessus des étoiles ça correspond... Ah c'est pas bête ça. Oh c'est pas si pire que ça. Alors lui, j'ai jamais compris comment on faisait. Il faut se tourner là où on veut aller. Il s'appelle encore Bobo. Bobo. Allez, baisse-toi. Voilà. Ça, c'est le 6. Voilà. Moi, j'aime bien sa couleur, Mario, en tout cas. Donc ça, normalement, ça peut être un autre niveau. Ah oui, d'accord. Ok. Bah, le niveau dans l'eau, c'est peut-être correspondre à celui-là, en bas, là. Voilà, c'est ça. Mais la Mario 64 DS, elle est... je kiffe cette version. C'est le jeu qui m'a fait acheter la console. Tu peux incarner Yoshi, Mario, Luigi et Wario. Je sais pas si elle est trop bien. Une meilleure Mario préférée. Ah, je te comprends. Ouais. Moi aussi, hein, c'est un remake ultime pour moi. Hein. Et je sais pas si t'as vu à l'époque, il y a eu un énorme... c'était une connerie. Soi-disant, Waluigi était jouable. Une image qui a circulé. Attends, qu'est-ce qu'il fout le chat encore? Hop, il est rouge. Elle est où? Ah, tu sais, c'est toujours la dernière que tu cherches et puis elle est pas là. Je vais pas prendre toutes les pièces, sinon ça risque de mal finir pour mes poumons. Et là, les gens du remède sur Luigi, mais te rappelle un peu, mais c'était des conneries en fait. Ouais. Tu te rends compte, c'est sorti en 2004 ou 2005? 2005 en Europe, peut-être. Ah là, c'est bon. Merde, j'ai du mal à apprécier les... Voilà, ok. Exit to lobby, exit course. D'accord. Donc du coup, ça c'est bon. Élévateur pour les 8 pièces rouges. Ah oh, d'accord, ok. Mamma mia. Ok. Mamma mia. Attends, je perds pas une vie quand même quand je fais ça. Je perds pas, hein. Attends, on va faire... Lui. À la place de Home Fortress, qui est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai 5. Ouais, c'est ça. Ok.
En tout cas, le tracker, je trouve stylé. L'acide... Ah, c'est pas du tout ça. Ça, si vous voulez essayer chez vous. Hop, voilà. Eh, hey, avec cette manette là, je regarde pas mon achat. Hein. Mais à l'époque de la DS... Oh, c'est le... D'accord. Mais à l'époque de la DS, il y avait plein de légendes urbaines dans le même style. Comme faire reproduire ses chiens sur Nintendo ou se marier dans Animal Crossing. Ah putain, d'accord, je savais pas. Donc à la place de Worm Fortress, c'est... Bah c'est le Green Switch. Attends, non. Vert, d'accord. Ah, j'adore cette musique. Ah, même le Green Switch, il est juste là. Ah, yes. Voilà. Ouais, j'aime bien sa couleur à Mario. Moi, je garde cette seed, hein. Caméra, Jean-Michel, caméra. On va pas s'en plaindre, c'était l'un des premiers jeux comme ça à proposer la 3D dynamique. Hein. On va choper. Voilà, on s'est pété la gueule. Dernière évidemment. Oh, ça me va ces settings là. Merde. Oh, le bâtard de putain de Sniffy. Déjà qu'ils me font chier dans Mario 2. Ça permet de redécouvrir un peu le jeu, moi ça change. Ok, ça c'est bon. Mamma mia. C'est quoi au-dessus? Attends, on va le faire au-dessus. Ah, pas de clé. Ah. C'est quoi qu'il y a ici? Ouais, je vais y arriver, allez. Tall Tall Mountain, d'accord. À place du vitrail de Peach. Là. Scale the mountain. Oh putain. Tiens, on va parler à Jean-Michel, le bonbon rose. Oh, j'ai tellement habitude, c'est ce qui est une vie ici, putain. Il y a le bloc. Ah non, c'est une pièce rouge. Ah, c'est stylé. Oh, l'étoile 1 qui est là.
Ah ouais. Ok. Normalement toutes les pièces rouges sont sur les... Enfin il y en a 4 qui sont sur les champignons là. C'est laquelle celle-là? On sait pas. C'est la quatrième, d'accord. 4, ok. Oh putain. Comment ça va réagir? Encore. Mario 64 avec cette petite manette, c'est du bonheur. Ça, ça bouge pas, ok. Tu vas pas me dire qu'il y a des pièces, qu'il y a des étoiles qui... Hop là. C'est... Ah, je peux pas. Merde, dommage. Mamma mia. DG8. Dommage, ça aurait été tellement beau. Ouais, grave. Donc, qu'est-ce qu'il y a à la place de Cool Cool Mountain CCM? D'ailleurs, Dire Docks. J'aime pas. Bald Bowser Sub. Oh, j'aime pas ce niveau. C'est de la merde en barre. Ah, attends, quoique. Ouais, suivre l'arrêt. Pas l'arrêt du cul, hein, évidemment. Hein. Oh, je suis mauvais pour les anneaux. Y'a pas d'anneau, hein, y'a pas d'anneau, hein. Ok, donc c'est la cinquième. Okay. C'est bien qu'ils mettent les chiffres au-dessus des étoiles, comme ça tu sais c'est laquelle. Oh putain, normalement on se casse d'ici. Attends, du coup j'ai eu la cinquième. Ouais, c'est les vrais. Exactement, ouais, c'est ça. T'es en forme ce soir, dis donc. Oh. Attends, j'ai pas fait de sieste, mais j'ai fait un petit repas familial tout à l'heure, donc bah, j'étais content de les voir. Mon père, mon oncle, ma tante. Ah, c'est bien qu'il y ait le numéro d'ordre des coffres. Ça, c'est cool. Dans le jeu Vanilla, on sait pas. Hein. Oh, et le quatrième, je l'ai vu. J'adore parce que Mario n'a pas du tout de problème avec ses tympans, avec la pression de l'eau, tout ça, sur les oreilles, les tympans, tout ça. Où le coffre? Where is the chest, please? Voilà, je fasse attention à ça. Là. La deuxième. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ah, juste au-dessus du coffre. Ça c'est cool. Ok. Tac.
Ouais, effectivement, ça correspond au coffre. Ah ouais, c'est ça. J'ai 10 étoiles. Eh, hey, mais c'est en fait, c'est pas si mal que ça. Hein. Bah, GG pour le level up Saphir. C'est pas si mal que ça. Hein. Ça change du Zelda. Enfin, moi, ça me change du Zelda Randomizer. J'en ai trop fait, là. L'étoile numéro 6. Ouais, effectivement, c'est ça. Les pièces rouges sont pas censées être dans l'eau de base. J'avoue, ça fait gagner un temps fou à faire comme ça. Oh, c'est un bonheur cette monnaie. La première. On peut même décompresser un peu. Ouais, c'est chill, hein. Ok. Bah, tu spawns toujours au même endroit. Ok. Mais c'est dommage, on n'a pas un contrôle sur les couleurs de Mario. J'aurais bien aimé mettre les couleurs de Luigi. Enfin, même si celles-là sont bien. Hein. Moi, j'aime bien sa tenue comme ça. Effectivement, c'était la troisième. Non. Celle-là. Ça fait déjà 13 étoiles. Ah! Ok. Oh! D'accord! Ça correspond à quoi d'ailleurs? Ça va être celui-là. Ouais, bonbon rose. Voilà. Ah mais j'ai pas le red switch, ça sert à rien. Ça sert à fuck all. J'ai pas le red switch. Oula, normalement je meurs pas. Ah si. Bon, grave. Une petite preuve pour Luigi par rapport à Mario? Oui. Ouais. Depuis Mario 2D en fait. C'était mon main dans la plupart des jeux Mario platformer. De Super Mario quoi. Même si The Lost Level et SMB2J, ouais, un peu dur à contrôler mais bon, ici ça sert à rien que je fasse là. J'étais voir et j'ai fait le check ici, non.
Snowman's Land est ici, d'accord. Ça, voilà. Bon, Snowman's Land, ce serait quoi? SL, c'est ça? Eh, hey, fucking shy guy, hein. Simonac. Oh. Bah, bah, bah. Ouais, je joue sur une 64 parce que j'ai pas trouvé le moyen de jouer sur VC, console virtuelle, comme les Zelda. Si quelqu'un a la soluce, je suis preneur. Attends. Ah ouais, d'accord. Ah, je sais si je peux faire ça. Ah, je suis habitué à gauche. C'est la première étoile. Ok. La troisième. En vrai, ça s'enchaîne vite là. J'ai déjà 15 étoiles. Boing. Oh, je spawn de... Oh, c'est trop stylé. Ah, putain. Oh, cette optimisation, my god. Oh, c'est trop stylé. Non, en vrai, c'est bien. Hein. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est chill, c'est détente. Y'a rien dans le glaçon, du coup. Ah, bah non. Ah, bah, rien à faire. Pas le faire. Bon, j'ai pas le red switch, c'est chiant ça. D'accord. Donc, attends. Effectivement, c'est le quatrième dans un bloc. Voilà. C'est ce qui est censé être sur le bonhomme de neige, je crois. Ah, pas mal ça. Qu'est-ce que je trouvais ça stylé, surfer sur une carapace, n'importe où, même sur la lave, tu sais. Et ce qui est bien sur la version DS, je m'en souviens, c'est que t'as champignon rouge pour vraiment devenir géant. Merde. Et puis t'écrases tous, tu fais des combos, tu gagnes des vies. Putain, qu'est-ce que j'ai trouvé ça stylé. Oh, faut pas que je reste dans l'eau. L'eau est froide. Ah, il y a une pièce rouge là. Et il va me dire: Hey, who's here? What's creeping on me? Is it a nice hunt? A snow flea? Whatever it is, it's banging me. I think I blow it away. Pingouin. Pingou. Non, comment il va, Pingou? Ouais, il va avancer, il va reculer un peu. Là. Tac, 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 tac.
Là, il avance. Ok. Waouh, non. Oh la vache. Oh putain, c'est méga jump. Ah, la piste rouge est là-bas, la dernière. Oh non, putain, je me pète la gueule, esti. Putain, ce fail. J'ai plus de moyen de gueule, il y a pas les mobs. Bah, y'a pas les mobs, hein. Pas moyen. Hein. Non, pas moyen. Je suis niqué. Oh putain. En même temps, ouais, se baigner dans l'eau froide comme ça, quand il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Je peux plus faire grand chose ici. Hein. Ok. C'est déjà pas mal. Ah, attends, il y a un Todd. Il va peut-être me donner une étoile. Quand tu vois en Alaska les gens qui prennent des bains dans les lacs gelés. C'est en hypothermie avec d'y penser. Mais parce qu'ils ont fait un. Ils ont été dans un sauna avant. Et là, après, ils peuvent aller dans l'eau de gelée. Ils vont pas être en hypothermie, tu vois. Ah, il me donne pas d'étoiles celui-là. C'est pareil, tout ce qui est en Scandinavie, là-bas ils font ça aussi, les saunas. Ouais. Hey, attends, ça m'a débloqué la psa à Big. À BBH, ouais. Ah, moi je trouve ce rando, c'est sympa. Hein. Ah, normalement il est là. Le Big Bull est où? Ah, il est là. Hop, rentre-les dans toi. Et c'est en fait CCM. Cool, cool mountain. Bah, on va rester dans le froid. Même le pingouin, il est pas là. Oh, le petit pingouin n'est pas là. Le panneau qui est au-dessus de le panneau, hein. Oh putain. Bon, bon, rose qui est juste là. Je sais pas, le chaud et froid, mais c'est jamais bon. Choc thermique, tout ça, ouais. La sixième étoile qui est juste là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ah, le panneau, il est pas bien. Il a pas panneau, hein. Le panneau d'ailleurs. Nouvelle emoji. Voilà. Ah, le panneau, hein. Ah, ça, c'est le panneau de Zelda, mais. Est-ce que c'est le bon? Dis-moi que c'est le bon. Oh, ça va trop bien. Allez, viens ici. Viens ici. Viens toi ici. Eh, ça serait trop classe si c'est le bon. Ou alors, bah, ça serait juste... You found my precious... Oh, bah oui, you're my precious baby. Oh, putain, c'était le bon. Hop, voilà. Voilà. Je rappelle qu'avec au point de chaîne, vous pouvez débloquer des emojis, hein, sans sub à ma chaîne. Pas forcément. Hein. Oh putain. Boing.
Oh, je me suis pété la gueule, je sais pas pourquoi. Ah, y a pas de... c'est vrai qu'il y a une étoile ici normalement. Après, je propose une Master 4 randomizer, c'est surtout pour voir vraiment comment est cette manette là et tout. Ah, c'est juste un bonheur en fait, hein. Juste un grand bonheur. What the fuck? Oh, j'ai cru que j'allais retomber dans le truc du canon. What? Info. Ah, merde. Bon, c'est pas grave. Mamma mia. Voici autre part. Ah, mais il n'y a pas de clé, j'ai désactivé l'option. Ah bah c'est tranquille. C'est chill. D'accord. Ah, attends, il y a un Jean-Michel Todd là. Il va peut-être tu me donner Netwell. Yeah. Dommage, j'ai fait plus la mission. Here we go! Ah, ok. On va devoir le lapin. Yes. Alors, hop, un lapin. Ah, tu es un chasseur? Non, c'est pas vrai. Alors c'est quoi qui est à la place de... Ok, c'est Bowser in the Dark World. Ok. Voilà. En vrai c'est grave stylé. Hein. Ça va, empêche les pièces rouges sont accessibles. Donc ça va encore. Ça peut être des trucs un peu dégueu. Oh putain la chute, ah là 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 là. La chute est si vite arrivée dans ce jeu. Mamma mia. Ah. Au niveau de Bowser, bah ouais. Yahoo!
comme ça je suis au courant. Merde. En plus, attends, je vous jure, le stick est vachement précis. Oh, c'est un bonheur. Hop. Oh, bah elle est dégueulasse cette pièce rouge là. Non mais what the fuck. Je fais comment? Ouais, je vais affronter Bowser, hein, je crois. Oh putain. Bon allez, fuck off. Je vais ailleurs. J'ai besoin que de 30 étoiles. Non, c'est quoi la place de LLL? D'accord, slider. Oh les pièces, what the fuck. Non ouais, le bloc avec l'étoile était dedans. Ok. Ah c'est un petit peu dégueu ça quand même hein. Oh, ça rame. Bon, c'est quoi la place de... Ah, c'est DDD, ok. Donc, 9 étoiles. Vas-tu me donner une étoile? Non. What dry world? Ok, qui est la place de... Ça. Let's go. Oh. Hop là, splong. WDW. Quatrième étoile. Merde. Ok. Ça c'est secret, voilà. Matérialisé par les petites étoiles là. Ok, première étoile. Ah ah, ça qu'il y avait. Ah dommage. Là ça marche le bloc, les blocs sous l'eau. Non. D'accord.
It doesn't work. Ah, par contre, les cristaux pour changer de niveau d'eau, ils sont toujours à la même place. Attends, on va pousser le bloc. Là, là. Encore un peu. Yeah. Ah, c'est bien ça, putain. La caméra est toujours chiante ici, c'est pas possible. Ok. Étoile? Ah oui. Ok, c'est la deuxième. Ok. Ah ah, ça n'est pas ça. Hein. Ok. D'accord. Ici TikTok clock. Oh non, pas ce niveau. Oh my god, TTC. Oh damn. Je dis non. Oh, je déteste ce niveau. Première toile qui est là. Ok. Oh, je me suis pété la gueule, mais alors. Il est très bon, mais le fait qu'il soit trop vertical avec énorme risque de chute
Bon, un peu difficile à aborder. Ouais, grave. Par contre, tu prends Luigi de SM64DS et là, tout est réglé. Hein. Un backflip et puis hop là, tu tournoyais. Ça rendait le jeu vraiment gratuit. Merde. Il en manque 5. Ah, j'ai bien fait de prendre 30 étoiles hein, pour finir le jeu. Putain, la caméra, bordel. Non, non. Ah, c'est quoi? Non, way. La 2 et la 3. Putain. Ça, c'est bien. Plus que 3, c'est le go mode, hein. Ah non, il n'y a pas d'étoiles dans les blocs, hein. C'est ça, hein. Non. D'accord. Oh, j'ai tous les blocs qu'il y a, là. Oh putain, la chute est tellement arrivée si vite. Exit course. Ah ouais, putain, exit course, on perd une vie. Mais c'est nul. That sucks. Est-ce que j'ai checké le mur Ah si, ouais. Attends. Allez, plus 3 étoiles, c'est le go mode. J'ai pété la gueule, encore une fois. C'est quoi qui est la place de... Ah oui, c'est Slider. Bon, l'étoile est là, fuck off, hein. Fuck. Heureusement que j'ai le tracker parce que sinon j'aurais été un peu perdu, hein. Ah non, si, ça oui, c'est Bowser in the Dark World. Là, c'est Wet Dry World. Attends, on n'a pas checké là-bas. Yeah.
Hop. Et voilà. Quoi ici? Ah d'accord. Ok, ah, par contre, ça correspond à quoi ici? Oups. Ça correspond à quoi sur le tracker? Ah oui, le switch bleu. Ah non. Du coup. C'est, voilà, ça. What the fuck, la tornade est là? Ah, c'est... Ah, c'est pas si pire que ça. Oh putain. Ah, ça pardonne jamais les sables mouvants. Mamma mia. J'ai pas trouvé le red block. Enfin, le red switch. Ah, la tornade, ça peut être bien. Ouais. La deuxième. Non! Oh là 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 là! Putain. Ah, ça, fous-toi de ma gueule, Bowser. Mamma mia! Ok, bon, c'est pas grave, j'ai la deuxième. Hop, voilà. Allez, plus que deux. Et c'est le go mode. Mamma mia. Yeah. Go. Ah, deux pistes rouges, rien que là. Fucking twister. Non, non, non. Non, on va éviter d'aller là. Je vais faire... Hop, on va rentrer là-dedans. Ok. C'est la troisième. Ok. Plus qu'une. Pyramide est tellement bien. Ouais, grave. On va check ce qu'il y a comme étoile. S'il y en a une qui traîne, non.
Là, je vous jure que l'autre, la manette originale 64, j'aurais déjà mal au pouce. J'aurais déjà mal au pouce. Là, pas de problème. Ah merde. What? Ah. Oh, c'est esquive. Et c'est le go mode. C'est le go mode. Merci. Hop. Voilà. Voilà. Donc, normalement, j'ai bien mis. Ah.
What? J'ai mis 50? Belgie? On fait le Belgie? Allez, Belgie. Enfin, ouais, quoi. Ah non, je pensais que... Oh, ah, 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 ça marche, Belgie. Attends. Non, j'ai pas le bon angle. Ah, j'ai failli le faire. C'est un certain nombre. Hein. Ah, il y allait là, il y allait, putain. Ah, il y allait là, putain. Dommage.
péter la gueule là. C'est pas vrai. Putain, faut vraiment que je fasse 20 étoiles de plus là. Come on, Mario, we can do it. Non, c'est pas la version patchée. Putain, j'arrive pas à Belgique. Hein. Avant, j'y arrivais bien. Ça, il va y avoir un angle très précis à faire. J'arrive plus à Belgique. Là, il est droit, ça marche pas. Putain, il y allait là. Il y allait. Ah, j'ai perdu l'angle, voilà. J'arrivais peut-être, j'arrivais à faire sur la version pâle. Et là, ici, j'arrive pas. Hein. Ah bah voilà, putain, je te l'avais dit que j'y arrivais. C'est plus rapide sur NTC, je m'en doutais. Oh là là. Merci. Comment je t'ai zoulouté. Ah. Voilà. Oh le bloc, what the fuck. Non, putain.
ce jeu. Ouf. Saute. Wow, on pue ici. What the fuck? On va y arriver, hein. Bah ça sent la fin. Allez. Hop.
sa langue, Bowser. Non, oh, je vais le dire. Il est dur, c'est dur à viser, putain. Tac, 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 tac. Oh, c'est dur. Non, putain, j'étais dessus là. Come on. Allô, allô, allô. Voilà. Allez. Quoi? Fuck you, je grisse. Ah. J'ai pas visé, hein. C'est incroyable. Pas de pièce, y a pas de pièce, hein, si. Oui. Oh, c'est putain de chiant à faire ça. C'est le cauchemar des speedrunners, hein, Bowser. Hein. Et ben voilà. Il est mort comme une merde. Ah oui, c'est vraiment fun ici, c'est vrai. C'est grave dur sur ADS, t'as l'écran tactile qui aide un peu, mais là... C'est le cauchemar des speedrunners. Hein. On peut demander à n'importe qui speedrun le jeu. À Ninist, à Marco. Disant, Bowser, c'est de la merde. Allez là, putain. Je vais te choper la queue, titre. Je suis dessus, nickel. Hey, hey, mais je te. Ah. Longtemps j'ai pas fait le jeu. Il m'a one shot. Bowser, je t'emmerde. Oh ta mère. Là je suis dessus. Nickel. Super nickel. Nickel. Salong et Bowser. Oh putain, ça me fait chier, bordel. Pour ça, je speedrun pas le jeu, hein. Franchement, c'est à cause de lui. Hein.
Ah, c'est bon. Quel. Let's go. Oh putain, mais ta mère, le jeu là. Oh, surtout, presse-toi surtout pour. C'est le scénar. Allez. Pff, oh, j'étais dessus. C'est pas putain possible, mais sans déconner, quoi. Eh, hey, mais Jean-Michel Galère, vous connaissez? Bah, c'est moi. Désolé, c'est sorti tout seul. Ah, peut-être lui? Non. Eh, vas-y, va te faire enculer. Ouais. Je sais jamais viser dans ce putain de jeu là. C'est de l'ostina. Je sais pas jouer. Je sais pas jouer. Je sais pas jouer. Ah bah voilà, il faut suivre Jésus de tombe. Bah oui, il tombe. Putain, je craque à 3 mètres du bol de sangria. Ça, c'est ma spécialité, moi. Craquer à 3 mètres du bol de sangria. Putain de taras. Jeu de merde. Ah ouais, chope sa queue, Chris. Pas jouer au jeu.
c'est définitif, je sais pas, je veux. Allez, va te faire enculer, fils de pute, va. J'ai jamais autant galéré à Bowser dans Mario 64. Jamais! Attends. Allez! Ah là, tu peux être sûr que là, tu peux y aller, hein. You piss me off. Allez, je suis dessus là. Voilà. Eh ben non, trop tôt. Trop tôt, comme d'hab. Jean-Michel, trop tôt. Dans ton cul! Voilà! Chez! Voilà, putain! Hop. Ah, 1.33. Voilà. Hop là. Putain. C'est vachement dur, boîte de boost. Enfin... On rappelle pas, attends, avoir galéré comme ça. Je sais pas si c'est la conversion du NTSC sur en PAL 60, j'en sais rien, ça joue. Je sais pas. Je sais pas. Bon. Oh yeah. Indeed. And it's all thanks to you. Thank you, Mario.
Oh, you looks like Luigi. Here we go. Listen, everybody. Let's make a delicious cake. Mario. Oh, bah voilà. Bah, c'était sympa. Mario. C'est sympa. N'empêche, finir Mario 64 en 1h30, c'est quand même en soi un exploit. En casu. Mais t'es sympa sa couleur, Mario. Oh, j'en ferai peut-être. Oh, chill comme ça. Ces niveaux-là, on les a pas fait du coup. On les a pas trouvés. Pas le manoir chez Tristesse. Ouais, j'aurais bien aimé le manoir. Ouais. J'aurais bien aimé aussi. Ouais. BBH. Big Booze. Big Booze Hound. Bah, décidément. Là, je commence à crever là. Oh, bordel! Tomber malade maintenant, monsieur. T'inquiète, toi. Oh. Allergie, je sais pas quoi là. Thank you so much for playing my game. Oh bah voilà. Ah Lulu, comment qu'il va? Du coup, désolé, je viens de tard, mais je te dis que j'avais passé malheureusement, j'ai pas de son. Ah, donc je t'attends pas. Mais je te dis une bonne soirée, peut-être à demain. Ah bah Lulu, tu vois pas demain. Hein. Demain, je suis en repos. C'est pour ça que je stream à cette heure. Enfin, hier soir j'ai quand même streamé, mais. Bah, demain, Majora's Mask. Ouais, non. Majora's Mask vers 15h. J'ai mis quelle heure? Quelle heure j'avais mis? Attends. Enfin, c'est des heures approximatives, hein, parce que moi je suis pas trop. Ouais, à peu près vers 15h. Voilà. Parce que demain, faut que je... Demain, attends, faut que je bouge. Ouais. Voilà, voilà. Pour MM, on en était où? Ah oui. Il reste la quête d'Anju et Café à faire. Le masque des amoureux. Stone Tower. Et la fin. La lune, tout ça. Pardon. Ou faire... Bah non, faut faire... Ah non, faut faire les trials. Ouais, faut faire les 4 trials. Mmh.
En vrai, Majora's Mask, on n'a pas fini encore. Samedi soir, pareil, on fera du Majora. Dimanche soir, je suis pas sûr de streamer. Pas sûr. Bon, en tout cas, ces petites découvertes. Bon, excusez-moi d'avoir ragé un peu. Parce que ça, c'est. J'ai tendance à rager un peu plus quand je suis fatigué. Je suis assez fatigué là. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis le stream. Pas pour. Merde. Peut heurter contenu. Peut heurter la sensibilité du plus jeune. Enfin, moi j'ai mis ça en tout cas pour. Voilà. Avec mon langage. Voilà. Voilà. Ouais, bah. Parce qu'après, quand on aura terminé Majora's Mask, on fera les Aisaro Is Missing. Les jeux de. Merde, jeux de. Merde, comment ça s'appelle? Ah, ça a un nom. C'est pas une course d'orientation, mais presque. Les cherches d'indices, tout ça là. Merde. Là, sur YouTube, Aisaro Is Missing, il y a que Marco qui en a fait. Ah si. Il y en a d'autres. Hey Michaelius, comment on va? Bah, je viens de finir ma seed. Ah si, on a d'autres qui en font, ouais. Le jeu de piste, voilà, jeu de piste. Aisaro Is Missing is my favorite Majora's Mask ROM hack. Ah ouais, à ce point-là. Non, en vrai, il y en a pas mal qui en font, hein. Ah, j'ai hâte de faire ça, Aisaro Is Missing.